3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça. Et pourquoi il y a du sable dans l'extracteur? T'as dû envoyer du sable dans le pipe et se retrouver avec du sable dans l'extracteur. Alors, est-ce que la poudre va suivre ici? Ah bah là, il manque d'ailleurs un bout de tuyau. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est le même. C'est celui-ci. Hop. Alors normalement, les ORE arrivent ici. Voilà. La poudre par là. Et est-ce que mon pipe en obsidienne va permettre de régler le problème de l'overflow des ORE? Parce que là, en ce moment, il est en train de macérer du silver. Et il y a du fer qui arrive. Forcément, ça va pas bien ensemble. Ok, donc en fait, c'est vraiment pourri comme idée. Il y a mon obsidian pipe qui fonctionne comme un pipe d'éjection. L'éjection canine. Ouais, carrément. Il y a tout passe par ce pipe en obsidienne et tout se fait éjecter. Donc je vais éteindre le moteur. Je vais récupérer toutes les ORE et je vais le penser autrement. Ah ok, nickel, il pose dans le vide, c'est bon à savoir. Alors du coup, là, ça se stocke ici. Donc si j'essaie de mettre un pipe en obsi ici. Est-ce que ça va? Ça pompe pas. Est-ce que si je mets un pipe devant le pipe en obsi, ça agrandit pas ça? Je suis en train de me demander s'il faut pas que je l'alimente par un moteur à redstone en fait, mon pipe en obsidienne. Pouvoir passer sur le tuyau, donc je fasse ça. Parfait. Par contre, j'ai pas fait assez de tuyaux. J'en ai mais des tonnes. En quoi? Tout ce que tu veux. En stone. En stone, j'en ai quelques stacks. Il va m'en falloir un petit peu, histoire de rejoindre l'autre truc de l'arboretum. J'en ai 3 stacks 3 quarts. Qu'est ça? Ah mais c'est pas vrai, c'est pas visé. Du coup, il me faudra un pipe en obsi. C'est galère. Et il me faut un pipe en fer. Il me faudra un pipe en obsi ici, mais il se connecte. Ça, j'ai aussi les pipes en fer. Et je crois que j'en avais déjà filé un d'ailleurs. Le filet. Non. Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je sais pas si. Je ne pense pas que tu me l'aies filé. Bon, bah, je peux t'en refiler, ça c'est pas un problème. Donc ouais, moi je vais faire un coffre. Je vais faire un coffre déjà. Et je vais mettre un coffre à ORE qu'on transforme en poudre au-dessus du coffre à ORE là. Parce que sinon c'est trop la galère. J'arrive pas à. Enfin. Je pense qu'en réfléchissant un petit peu, j'arriverai à trouver une solution, mais là, elle ne me vient pas
maintenant. Je pense qu'il est trop tard pour C'est qu'elle te ça. vienne maintenant. C'est un peu ça le problème. Donc du coup, je vais régler le problème de version, enfin un peu plus simplement. Oups. Ah, ça c'est pas cool ça. Demain, il en est quel jour? On est mercredi, 1er août. Donc vous savez qu'on tourne le 31 Non, parce que je vais juillet. l'éditer, donc ou pas, je sais pas. On verra. Bon, on s'en fout, hein, qu'ils On s'en sachent fout qu'on tourne comme complètement. ça. Non. Pour tout vous dire, on est le 31 juillet et il est 23h46. C'est ça. Chez moi, il est 44, mais c'est pareil. Ah oui, j'ai vu mon Mac qui avance. Je sais pas pourquoi il avance d'ailleurs, cet enfoiré. Hop. Ouvrez la préférence d'ATE. Voilà. Ouais, j'ai plus intéressant à Alors, faire que mon de régler l'heure de mon Mac. levier, j'allume mon levier, je mets mon Redstone Engine ici, et je mets du bois là. Voilà. Et donc, on a un coffre au-dessus du coffre AORE qui sert à justement à mettre les ORE qu'on veut transformer en poudre. Et c'est fini dans le coffre de poudre. Et j'ai pas de verre sur moi. Il y en a plein. Oui, mais j'en ai pas sur moi. Donc Je tout sais qu'il y en a notre... plein, j'en ai généré 1 milliard à peu Voilà, près. donc ça c'est très bien, ça fonctionne. Notre extracteur de rubber devrait fonctionner, je pense, plutôt très bien. Et du coup, le rubber, je vais aller le mettre dans le... Bah, dans le tube qu'il faut bien pour lui. Donc du coup, Ah ça... ah ah, on rejoint mon projet secret, c'est mortel. Je kiffe. Ton projet secret. Que les viewers n'ont pas vu et qu'il ne faut pas qu'ils voient encore. Bah, Comme tu me ça va diras faire du quand gros est-ce que... suspense pour C'est la ça. suite de la saison. Hop, donc ça Faut on pas l'a que, vu. en fait, faut pas que tu viennes sous le premier arboretum. Ok. Je suis en train de faire des contorsions de tubes, un truc de fou pour pouvoir exploiter au maximum les tubes en diamant. Du coup, ça fait un truc de... C'est délirant. Pipe en diamant. Ouais, c'est vraiment délirant. Donc, du coup, je voulais rejoindre ce pipe-là. C'est de plus en plus fou, les tuyaux ici. Alors je pense qu'il faut que je continue par ce côté-là, sinon ça va pas le faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment fou. Non, 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 non. Ah, fallait pas faire ça. On va se connecter. Ah, mais parce que notre pompe à lave, elle a fini de pomper tout ce qui était petit courant. Elle a pompé tous les courants là? Ouais. Maintenant, il reste le fond du lac de lave, mais elle pompe pas dedans. Mais faut pas que tu viennes voir. Hop, c'est la faute à Remfull si vous voyez pas, hein? Je précise. Oh my god. Vous le verrez dans pas longtemps. C'est d'une... Comment notre... Je pense que les viewers vont être d'accord avec moi. Ça commence à devenir un délire, mais c'est impressionnant là. Est-ce que c'est à la hauteur de notre mégalomanie? Je pense que là, on a commencé à sérieusement dépasser. Ça me va. Et je
pense que je me suis planté sur la connexion que je voulais faire. Parce que c'est le rubber qui... Non, enfin, attends. Déjà, je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que je pensais quand j'ai fait ça. Parce que je suis en train de me dire que ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Puisque le rubber qui sort d'ici, il va déjà dans le coffre industrie là-bas. Qu'est-ce que je voulais amener dans ce coffre industrie qui pourrait sortir... Ouh, faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Ouais, non, en fait... Je pense que je vais péter des trucs si je fais pas gaffe. Ce que je viens de faire ici, c'est pas intelligent. Donc je le casse. Est-ce que j'ai pas pété de la torche de redstone par hasard? Non, pas encore. Voilà. Donc non, donc ça c'est bon. Est-ce que les deux moteurs sont alimentés? Oui. Le rubber arrive ici. Il se transforme en rubber ball. Il part ici. Il va dans ce coffre industrie là-bas, ça se transforme en poudre. Alors ce tuyau-là, il amène nulle part. Ok, bon bah je vais tester. Ah, est-ce que ça commence à pousser ça? Alors tous les rubber trees sont plantés. Ok. Par contre, est-ce que ça pousse? Le coffre de tuyaux est plein. Ah mais j'ai de la bonne mille, on va pouvoir tester. Moi je vais masser... Ah oui, ah zut, c'est vrai que ce coffre il s'ouvre pas ici. Alors ça va un petit peu bugger pour le début parce que j'ai pas relié tous les tuyaux. Alors moi il va falloir que je pète un peu le toit. C'est sinon je peux pas ouvrir mon coffre. Oh, c'est obscène. Il faut que je fasse une dalle, non pas une demi-dalle, mais une dalle, dont je vais mettre un escalier. Mais forcément, si je veux mettre l'escalier à l'envers, il faut que je mette un bloc au-dessus. Ah, ça marche, le logger il marche. Il envoie les rubber wood. Et bah, il me faut plus que les tuyaux. Et tu vas devoir arriver du rubber wood. Bah, moi, il va me falloir. Comment, un truc aussi, je ne sais plus. Oui, si, il va me falloir une rubber bûche. Et il me faudrait accessoirement un petit tuyau en or, ça pourrait être pas mal. Il doit en rester des tuyaux en or dans le truc. Oh là là, c'est obscène. Bah ouais, je suis en train de faire de la poudre d'or. Notre sous-sol est obscène. Ouais. Puis là, j'ai mis un escalier à l'envers pour pouvoir ouvrir ce coffre. Donc je t'explique comment ça marche. Tu prends les ORE du coffre d'en dessous, tu les fous dans le coffre d'en haut. Elles se font tout doucement pomper. Ici. Dans... ce tuyau là, je crois. Je te suis plus là. Ouais, si c'est ça ici, bah là tu vas les voir arriver. Les ORE se font tout doucement pomper dans ce tuyau là, qui arrive dans le macérateur. Dans le macérateur, qui est overclocké d'ailleurs. Et qui part ensuite ici, vers mon coffre à cocaïne. Et dans ton coffre à cocaïne, ça met quoi? Pour le moment, il y a de la poudre. Voilà. D'accord. En fait, t'es en train d'automatiser la fonte du minerai, quoi. Bah après, je vais mettre un... T'en viens, quoi. C'est ça, je vais mettre un coffre au-dessus du coffre... Enfin, à côté du coffre à cocaïne. Ouais. Qui va être un coffre pour la fonte, et ça va repartir dans le coffre à barre. Et pourquoi t'as mis deux coffres, en fait? Pourquoi tu automatises pas tout le truc? Bah il faut que je réfléchisse à comment faire, puisque là, en fait, j'ai mis deux coffres. Parce que si j'envoie l'or et qu'après j'envoie le fer va se stacker, va sortir ici. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire des trucs avec des pipes en upsie, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc il va falloir que je reteste dans mon monde single player. Peux-tu me filer du tuyau Ils sont dans le coffre à tuyaux. Stone, d'accord. J'ai plus rien sur moi. D'accord. Je viens de tout ranger. Tuyau. C'est bien, on commence à avoir... On a 17 pistons.
Stone Transport Pipe. Ah oui, mais non, il me faut de la cobblestone. Ah, comment on fait pour connecter un cobblestone à un stone? Bah tu es en fer. Tiens, je te mets le wrench qui permet de changer l'orientation du tuyau en fer. Tu l'as mis où? Dans le coffre à tuyaux. Ok. Ok, nickel, si on peut les connecter, parce que j'étais en train de me dire, j'ai commencé tout le câblage en tuyau en stone, et le câblage d'après est en cobblestone. Je me suis dit, ça a posé problème. Drame. Et en fait, non. Non, ça ne pose aucun problème. Et alors, le Rien ne tuyau en pose fer, problème dans l'industrie. si je me rappelle bien, le Iron Transport Pipe, il faut que je le mette. Près de là où je veux le faire connecter avec le cobblestone, Bah c'est ta justement. connexion le Iron Transport Pipe en fait. D'accord, et faut qu'il soit dans le sens. Que le bout transparent soit vers là où tu veux envoyer les trucs. Ah oui, du Par coup contre, il me faut aussi un, il me il faut change un. pas de côté. C'est parce que j'ai pas mis de tuyau au bout, c'est ça? Bah si on a que deux, bah si normalement même si on a que deux, il va changer de côté quand même. Alors attends, je mets ça Il là. faut que tu cliques avec le wrench dessus. Normalement je t'ai filé Ouais. le bon, je Et crois. normalement c'est bon. Normalement c'est bon, mais c'est juste que je pense que je me fail comme je sais pas quoi. Mais ça c'est pour changer. Bah moi je vais aller couper un peu de rubber wood dehors pour le mettre dans le filtre. Comme ça il va directement aller au bon endroit. Hop. Ouais, je pense que c'est bon. Et alors, ouais, truc très drôle, c'est que je me suis un petit peu planté ici, mais c'est pas grave. Effectivement, les fans ont tendance à méchamment brûler. Ils ont pas l'air d'être complètement en face, ces trucs-là. Ah, me dis pas que je les ai pas alignés, ça va me stresser. Ah, je vais augmenter un petit peu le timer. J'ai l'impression qu'il marche pas super. Bon, là tu devrais voir arriver du rubber wood dans ton tuyau. Oups. Si je me suis pas planté. Bah attends, je Attends, vais le le filtrer. bord transparent doit arriver C'est vers moi le banc transparent. vers le tuyau cobblestone. J'ai un tuyau stone qui arrive avec du rubber wood que Ouais. je connecte au tuyau cobblestone dans lequel il y avait déjà notre premier arboretum. Et j'ai mis le bout transparent, enfin le bout noir en fait. Un bout noir. T'as mis un tuyau en diamant là, s'il y a un bout noir. Non, le bout noir c'est le tuyau transparent. Enfin, je sais pas ce que t'appelles transparent. Non mais je pense que t'as mis un pipe en diamant. Non, Est-ce j'ai mis que un pipe en iron. il y a deux côtés gris et un côté transparent? Deux côtés gris. Alors, j'ai mis un truc qui s'appelle Iron Transport Pipe Ouais. 4309. Ouais, normalement c'est bon. Et il y a un bout qui est un peu opaque, blanc, Ouais. qui est à droite. Donc qui est... Je sais pas, on va voir si j'ai du rubber wood, puisque normalement je l'ai filtré. Il n'arrive pas encore. Mais j'aurais dû mettre un... Oui, c'est ça que je voulais mettre, c'était un petit tuyau en or. Ça y en a plein et je sais pas par contre s'il y a des torches de redstone. J'ai de quoi en faire. Alors comment va notre générateur à lave? Il va très bien. C'est rentable la génération à la lave. On n'a même pas encore commencé le... Salut! Ah, le macérateur qui a rebugué dans mes oreilles. Il est en train de nous faire de la poudre d'or. Il est gentil, il nous fait de la poudre d'or. En même temps, je me suis peut-être planté de range que je t'ai donné. Tuyau, 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 Il y a 12 tuyau. tuyaux en or, ça va. Ouais, je crois que le wrench que tu m'as donné ne fonctionnait pas. Attends, bah je vais le prendre et je vais aller voir en bas. J'ai un tuyau en fer ici. Ça fait combien de Si, milliards il d'années que ça fonctionne. tourne? Viens voir, je vais te montrer. Ça fait Attends. quoi? Oh, ça fait assez longtemps pour que ça soit déjà découpé en au moins deux ou trois épisodes.
parce que je te propose d'arrêter dans pas très longtemps, Ouais, puisqu'il moi commence aussi. à se faire assez tard. Bah, de toute manière, t'as fini ton projet là-bas. Quel projet? Enfin, qu'on n'ira pas voir, on ira Le voir dans le projet qu'on prochain n'ira pas épisode. voir, non, C'est je l'ai pas ça. fini. Ok. Mais je vais juste placer le tuyau en or Parce que tu pour vois, que le tu tuyau en vois. fer, ça, c'est un tuyau en fer. Ouais. Et ça va dans cette direction-là, par ici. Et D'accord, si on ok. fait C'est ça, ce il que va j'ai dans cette fait. direction-là, par là. Ah, c'est bon, je me suis pas planté alors. Ok. Ah bah ouais, je vois ton rubber wood qui vient d'arriver. Ah, il y en a qui arrivent Bah déjà? ouais, il y en a un qui arrive et qui... Il y en a deux qui arrivent et qui sont en train de se diriger vers l'extracteur. C'est parfait. Et ils Pile vont poil se ce qu'on faire voulait, non? extraire. Alors attendez. Non, je regarde, attention, attention, il va apparaître là. Ta ta ta, padam! Il se fait extraire. C'est parfait. Et ça, c'est un fail parce que je n'ai pas de. Il y en a trois qui sont en train de se faire extraire. Donc c'est parfait. Je vais mettre un peu de poudre de fer à se faire extraire. Il faut faire attention de ne pas en mettre plus de 32 d'ailleurs dans le coffre à... Ah Et si, fais normalement pas on doit pouvoir. accélérer là, on voit ce que ça donne. C'est vrai que moi aussi il faudrait que je mette quelques pipes en or un peu partout ici. Ouais, je vois une boule de rubber qui est en train de remonter. Par contre, le rubber remonte dans le tuyau. Hein, comment ça? Ok, je crois que je me suis foiré. Non, normalement le rubber, enfin, Peux-tu venir avec la wrench? j'arrive. Bah, tu veux pas la prendre et qu'on aille pas voir? Ah oui, c'est vrai, pardon. En fait, je l'ai pas mis au croisement, je viens de comprendre, en voyant ton Ça, tuyau c'est pas tout à l'heure. pratique. Je l'ai mis juste avant. Il est dans le coffre tuyau. Donc du coup, en fait, les rubber tree font un aller-retour avant de revenir. C'est moins pratique. Et maintenant, ils sont accélérés, donc ils font un aller-retour en accéléré. À fond, à fond, à fond. Falloir que je perde pas ce tuyau là. Je vais en prendre d'autres au cas Et du où coup, je je vais fail. continuer la skylight sans regarder de ce côté-là. Ah, tu peux regarder du côté de l'arboretum, hein. C'est en Ah, c'est sous-sol. juste en sous-sol ton truc, parfait. Ouais. J'ai quand même pas regardé. En fait, je vais surtout d'abord faire le tour en vert parce que c'est vraiment hyper sombre en bas. Et dire qu'on a galéré à faire ce bâtiment. Puis on pourrait faire un système de récolte automatique sur les fermes des villageois à côté. Parce que comme on est con, évidemment, le bâtiment, on l'a fait sans tricher. C'est vrai. Hey, c'est pour ça que je dis comme on est con. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est vraiment des gros boulets. Parce qu'avec la magie du montage, on aurait pu vous faire en 30 secondes un coup de World Edit, et puis on revient, on fait, voilà, on a passé 4 heures à construire un bâtiment. Mais non. On est des gentils gens. Voilà. Du coup, on a mis 1000 ans à construire un bâtiment et maintenant on met 2000 ans à le défoncer pour foutre du verre partout. Ouais. Ah, c'est horrible. Ah, pourquoi ça disparaît? Je me suis posé la même question. Il y a un bug. Décoreco. Mon rubber tree disparaît. Décoreco. Après avoir passé le tuyau. Fer. C'est comment il apparaît peut-être un peu plus loin. On le voit pas forcément dans le tuyau en fer. Bah super quoi, je Non, non, finis. mais. Ah oui, d'accord, il apparaît plus loin, il disparaît, il Voilà, réapparaît, c'est. d'accord. Je finis ma super skylight et c'est la nuit quoi. Super. Genre merci le monde. Bon, reçois-tu du rubber wood? Je ne sais C'est pas, ça je qui suis m'intéresse. sur le toit.
Je vais me péter les genoux. Que là c'est Blam! bon, j'ai fini. Ok. Bah, Je je veux propose juste qu'on regarder finisse ce qui se l'épisode passe. ici. Ouais. Je veux juste voir ce qui se passe, si ça génère bien du. Bah ouais, tu vois le Rubberwood qui arrive en haut ici. Ouais. Qui descend. Qui se transforme. Et là, tu vois la petite boule qui repart. D'accord. Donc on génère du caoutchouc. C'est ça. C'est magnifique. Et je pense qu'il va falloir qu'on overclock un petit peu l'extracteur. Et après, ça arrive dans ce coffre ici, qui s'appelle câble. C'est génial. C'est magnifique. Et bah putain, on a été super productif Ah, là. on était hyper productif aujourd'hui. Ouais, Ça va dommage pour nous. Zygote, il était pas là, C'est le ça. pauvre. Ça va nous durer plein d'épisodes en plus. Mais bon, par contre, il va falloir que je les monte et que je les upload ma connexion toute pourrie où je dois avoir peut-être 128 kilos d'upload. Ça va être très drôle, je vais laisser ça uploader toute la nuit. Tu vas mettre à peu près 5000 ans à uploader un épisode. C'est ça, c'est pour ça qu'ils vont être petits. Et donc, ça y est, on est le 1er août, donc je pense qu'on peut se dire au revoir. Ouais, j'aurais bien aimé. Viens, on va dormir pour voir la skylight. Et donc pour la prochaine fois, on va finir d'abord la skylight, ensuite je pense qu'on va faire du red power pour tout ce qui est transformation de la poudre en barre. Hop. Parce que on peut le faire avec Industrial Craft, mais c'est tellement mieux de le faire avec un mod qui est moins connu. Hop. Tout à fait. Ah, c'est cool cette skylight, ça amène de ces lumières en bas. Ouais. C'est hallucinant quoi. Et quand le toit complet sera en verre, ce sera cool. Ouais, et en plus je pense que je vais faire un ou deux patchs en verre ici aussi, par terre. Genre. Ah, pour qu'on voit en dessous, ouais, ça Ouais. peut être pas mal. Parce que ça serait super de voir le bordel de tuyaux ici. Et je te dis, quand on sera riche, on remplacera tout le bois par du fer. C'est ça. Ah, c'est mignon quand même de voir les machines, c'est ici en fait qu'il fallait que je le fasse. Bon, de toute façon, on va en faire un peu partout, c'est Oui. drôle. Donc, je te propose qu'on se dise au revoir là, C'est plutôt que de ça. mettre du verre par terre. On a largement le temps de le faire la prochaine fois. C'est ça. Ah là là. Eh bah merci d'avoir regardé quand Voilà. même. J'ai mangé quelques pommes pendant qu'on se dit au revoir. D'ailleurs, Moi il doit j'ai. plus avoir de fuel dans le truc à pommes. Mais on le transformera en moteur avec des moteurs électriques bientôt. Ouais, tout à fait, on va Voilà. pouvoir rediriger l'électricité vers Oui. vers Oui. l'arboretum, après faire un truc qui remplit de la lave le Oui, faire un réservoir qui est en générateur de lave dessous. et tout ça, ça va être. Ouais, et après que la lave sera pompée, fera de l'électricité, et ainsi de suite, la boucle C'est sera ça. bouclée. Parfait. Magnifique. Mais pour ça, on va se dire à très bientôt. À très bientôt, et puis portez-vous Voilà. bien. Salut. Salut!